On va faire un petit jeu avant le plat. Donc je vais appeler certaines personnes, donc je leur demanderai de venir ici sur la piste avec leur chaise. Alors, je vais appeler en premier Christophe. Connu comme grand sportif, il adore soulever de la fonte ou parcourir des kilomètres à pied. Ensuite, Benjamin, si vous avez pris un PV, c'est à lui qu'il faut en vouloir. Alors, Mathieu, vous voulez acheter une maison, un appartement, une voiture, un chien, une poussette, il se fera un plaisir de vous accompagner pour votre crédit. Paul, la nature l'a bien gâté, il est beau. Il est italien, mais il est chauve. Ensuite, Lucas, on le surnomme Michel, véritable pécule de truite. Il a harponné sa meilleure prise il y a tout juste un mois. Ensuite, Corentin, il est sans doute l'homme le plus beau de la soirée. Avant ou après Adrien, je vous laisse juger. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez les mettre dos à dos les chaises et faire une ligne comme ça. Ouais. On tourne. Dodo, vous faites une ligne, dodo. Alors, Isabelle. Elle manie aussi bien la lance à incendie que son pistolet. Ensuite, il y a Marine, meilleure recrue du FC Wavrin, avec son record de 4 buts en un match, c'est une adversaire redoutable. Ensuite, Margot, avec un programme à base de burpees, jumping jack, abdos, elle vous promet un corps parfait en quelques séances seulement. Mais peut-être qu'on aura besoin demain après le festin qu'on va voir ce soir. Anne-Lise, elle s'est mariée la semaine dernière. Méfiez-vous, elle est prête à tout pour écraser ses adversaires. Morgane, elle a rencontré sa belle-famille un lendemain de soirée alors que c'était pas prévu. Et Elodie, maman de deux petits guerriers, elle saura se battre comme une lionne pour défendre l'honneur des louchards. Alors, tout le monde est là ? Il manque personne ? Alors, vous connaissez certainement le jeu. C'est le jeu des 12 mois, c'est une espèce de chaise musicale. On va vous envoyer chercher des objets. Et au fur et à mesure, on va ranger les chaises. Ah non, interdit. Je veux pas de tricherie, donc vous ne prenez pas sur vous, je ne veux pas que vous preniez sur le voisin ou ce genre de choses. De toute façon, j'ai des juges là juste à côté de moi. Et il peut y avoir disqualification, attention. Allez,
Alors, on va commencer, vous allez aller chercher un briquet. Il n'y a pas cette couleur. Il n'y a plus du tout. Bon, personne n'a briqué dans la salle. Alors, c'est qui est éliminé alors? Si, si, j'en ai une chaise. Vous pouvez aller ramener les briquets parce que sinon, il y en a qui vont garder les trucs. Alors Marine, le gage, ça sera d'inviter les mariés une soirée barbecue au mois de juillet. Alors... Oh là, il y en a qui sont en haute tête, là. Bon, alors, s'il y en a qui sont aussi chauds que ça, vous faites attention aux enfants qui prennent pas... Alors, vous allez aller chercher une ceinture. On n'arrive pas sur soi. Et en plus, il l'a dans l'histoire, lui. Et en plus, il a triché. Alors, Christophe... Alors, au mois d'août, il faudra inviter les jeunes mariés à passer une journée à la plage. Les deux. L'objet à aller chercher, ça sera une feuille de papier toilette. On a notre éliminé. Non, ça fonctionne. Alors,
Au mois de septembre, il faudra inviter les mariés à aller manger une moule frite à un barbecue. Par contre, vous n'avez pas montré là, vos papiers. Là. On a trafé une carte. Bon, ça marche. Alors, ensuite, vous avez... On va éviter de s'en servir, à un niveau Covid, c'est pas top ça. Alors, vous allez aller chercher... Une salade de table. Alors le gage au mois d'octobre, ça sera d'organiser une surprise Halloween. Alors, en suivant, on va prendre une pièce de 1 euro. Ah, vous pourriez rendre les sous. Hein. Alors, elle est où cette ligne? Margot. Alors, Margot, je gage, c'est au mois de novembre, il faudra organiser une soirée Remember, au cours de laquelle tous les proches en commun avec les mariés sont invités à diffuser leurs photos et vidéos de la journée de mariage. Tout le monde a peur de quoi boire et de noter. L'objet suivant. Par contre, je vais vous demander de faire attention à ne pas abîmer cet objet. Non, non, c'est pas un enfant. Il va falloir aller chercher une photo prise par le photobooth. Thank you.
En décembre, il faudra offrir le sapin de Noël et l'apporter déguisé en plein Noël. Alors... Là, il va falloir aller chercher une personne de plus de 50 ans. Doucement, doucement, doucement.